bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour présenter ma recette. Voilà, je vais vous présenter une petite vidéo rapide pour faire le tour. Donc la ferme à l'origine se trouvait de l'autre côté de la route, donc j'ai rasé un peu la colline pour implanter ma petite ferme. Donc voilà mon jardin maintenant. Avec, on voit au-dessus tout ce qui est la montagne où il y avait le château. Là, il y a mon chien, voilà, qui est là, normalement. Le petit toutou, on va lui mettre à manger, voilà, il sera content. Donc là, j'ai fait un tout petit parc derrière la maison, voilà, avec un banc, une table, chaise, voilà, tranquille. Donc là, quand on continue, voilà, j'ai implanté toute ma ferme en bas de la montagne. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Tranquillement, on va. Donc là, voilà, mon premier bâtiment où je stocke tous mes tracteurs. Petit bâtiment sympa. Donc là, bon, j'ai pas le forestier, j'ai mes tracteurs, donc bon, j'ai des John Deere et Fendt. Bon, je prends un peu de tout comme tracteur. Voilà. Donc un petit bâtiment qui est vraiment sympa et assez logeable. Voilà, on va faire petit bâtiment. Oups. Derrière ce bâtiment, donc ici j'ai mis encore un petit parc avec des étagères de rangement pour ranger les fourches, les télescopiques et tout. Bon, comme j'ai pas trop de fourches encore pour l'instant, c'est vide, mais j'y mettrai sûrement aussi mes conteneurs d'engrais et tout. Donc là après j'ai un deuxième bâtiment avec la machine pour couper les arbres. Après j'ai la moissonneuse à canne à sucre, la moissonneuse à coton. Donc tout n'est pas fignolé au top pour l'instant, c'est juste une petite présentation, un petit abri pour ranger le petit buggy, le petit manitou. Après là j'ai un autre petit hangar où sont rangés mes trois semoirs. Là c'est ma presse à balles, la remorque et la filmeuse à balles, voilà. Rubaneuse plutôt. Et après voilà le reste du parc avec tout ce qui est les remorques à grains, la benne, donc ça c'est mon cultivateur. Et ici on a l'atelier en fait pour régler mes véhicules et tout. Là c'est mon stockage à paille. En fait, j'ai mon stockage pour la paille. Paille, foin et tout. J'avais mis ce petit abri, donc vous voyez, on voit. Comme ça on voit mieux. Voilà. Avec un petit abri, enfin un grand hangar où je peux mettre mes barres de coupe, la moissonneuse. Ma grande charrue, le tracteur, mais là avec les pendeurs à chaud et en grès. Vous voyez. Là j'ai un gros silo à grain où je stockerai tout mon grain dedans. Voilà. Avec les petites barrières pour couper de la route et tout. Après, ici, j'ai rajouté une petite citerne pour le plein, la citerne pour faire le plein d'essence. Donc, vous voyez, les poteaux rouges et blancs, c'est tout ce qui est éclairage du site. En fait, tout est l'éclairage de ma ferme, il y en a à plusieurs endroits. Donc, voilà. Donc, c'est taillé carrément dans la colline
dans la colline qu'il y avait en face des bâtiments originaux. Donc là, ben à la place des bâtiments originaux, à la place des petits bâtiments originaux, j'ai créé. Bon là, c'est pas fini, pas fignolé encore. Il n'y a pas le chemin pour y aller, mais donc là, j'ai mis ma grande stabule à vache. Voilà. Grande stabule à vache avec, voyez. Et en face, voyez, vous avez les moutons et de l'autre côté, il y a les poules. Donc là, j'ai un peu plus arrangé ce coin là pour l'instant. Après, par la suite, le reste suivra. Voyez. Là pour le chemin pour faire le tour du bâtiment des moutons. Avec des petites haies, décorations, implanter quelques petits rochers, voyez, pour décorer. Ce mode paysage est vraiment très pratique, mais quelques arbres, un petit banc. Et voilà, là on est au bâtiment des poules. Après j'ai laissé un petit trou dans la haie, c'est en fait pour avoir accès à mon champ. Et voilà, ça c'est les poules. En face de moi, vous voyez les moutons, en fait, ici, là. Vous voyez, enclos à moutons. Donc pour ça, j'ai utilisé le super mode paysage qu'on nous a mis intégré au jeu. Bon, faut y aller tranquille parce que on a vite fait un petit dérapage. Moi, ce que je fais, quand je crée ça, je désactive la sauvegarde automatique et je sauvegarde au fur et à mesure que j'ai fini un point qui me convient, je sauvegarde tout de suite. Comme ça, si entre-temps je fais une erreur, je coupe sans sauvegarder et je resauvegarde après. Donc, vous voyez, un autre bâtiment. Et là, un petit bout de montagne pour fignoler le fond du terrain et après, je verrai si j'implante d'autres bâtiments et tout. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation de ma ferme, qui est toujours en cours d'amélioration. Je vais fignoler tout ça, mettre quelques arbres dans le parc, histoire que ça soit joli. Et après, je ferai sûrement une autre petite vidéo si. Pour filmer tout ce qui a été fignolé, arrangé et tout. Donc vous voyez, voilà. Voilà ce que j'ai créé avec le mode paysage. Voilà ma ferme. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ce sympathique petit mode. Là, c'est vraiment, moi je dis que c'est un bon petit truc pour personnaliser. Je dis que c'est pas mal. Voilà. Et après, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dire ce que vous en pensez, si vous verriez autre chose à faire ou une modif ou. Qu'on pourrait apporter. Enfin voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait, si ça vous plaît, et voici la vue d'en haut ce que ça donne. Voilà. Et voilà, l'exploitation au complet. Voilà, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année pour clore cette année. Allez, merci. Au revoir.